L'heure de la reprise a sonné pour nos sportifs amateurs, une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour nous, c'est aujourd'hui la troisième étape du déconfinement. Le public mineur mais aussi le public majeur peut reprendre ses activités à la fois en extérieur et en intérieur. Et je crois que vraiment c'est une bouffée d'oxygène supplémentaire qui vient aujourd'hui nous réjouir toutes et tous. Qu'est-ce que la ville a fait pour soutenir nos associations ? Il y a deux aspects qui se détachent. Il y a l'aspect financier. On a soutenu nos associations sans leur baisser leurs subventions. Ça, c'était important. Ça leur permettait d'avoir des disponibilités et faire face à des situations peut-être qu'ils n'avaient pas anticipées. Et le deuxième point, c'était le point humain. Le point humain, c'est le terrain constamment. Et là, finalement, on a gardé soit par téléphone, soit en se croisant à des endroits différents, à des moments différents. Je veux dire, on avait un échange pour dire tenez bon, et ça a été formidable de leur part. On en est vraiment heureux. Cette crise a été une façon de prendre conscience de l'importance de l'activité physique. Tout à fait. On s'est aperçu que pendant des mois, les gens tournaient en rond chez eux. Donc physiquement, c'était la catastrophe. Mais au-delà de ça, sur le plan psychologique, il y avait le doute qui s'installait. Le fait de ne pas retrouver les amis, d'avoir le partage, de bouger, c'était vraiment quelque chose de très très dur à vivre. C'est certain. Pour cet été, prenez soin de vous, sportez-vous bien. On se donne rendez-vous à la rentrée au Forum des associations. À bientôt.